Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire un petit haul action. Alors, j'ai pris des petites choses et je vais aussi tester certaines choses avec vous pour voir si ça vaut le coup d'acheter ou pas. Mais avant de commencer le haul, je voulais vous parler d'une marque de linge de maison qui m'a envoyé une parure gratuitement. Donc, je remercie Zezo qui m'a envoyé une super parure de lit. Donc, si vous aimez le beau linge de maison, je vais vous montrer. La parure que j'ai reçue, elle est vraiment trop jolie. Donc c'est arrivé emballé comme ça. Donc chaque pièce est dans un sachet à part. J'ai reçu deux têtes d'oreiller, un drap plat et une housse de couette. J'ai pu choisir le modèle qui me plaisait. Donc moi j'ai pris un modèle en gris. Et vous allez voir comment il est trop beau. Il y a des super belles broderies dessus. Franchement, il n'y a pas un fil qui dépasse. Au niveau des dimensions, il y a plusieurs dimensions disponibles, même pour les têtes d'oreiller. Donc moi j'ai pris les têtes d'oreiller en 65 par 65, mais vous avez plusieurs possibilités suivant les têtes d'oreiller que vous avez, rectangulaires ou carrées. Je vais vous montrer l'étiquette. Alors franchement, le tissu est hyper brillant, on dirait presque du satin, c'est tellement doux. Et pourtant c'est du 100% coton, donc ça c'est déjà un bon point de dormir dans les draps en 100% coton. C'est beaucoup plus agréable que du synthétique, c'est confortable, c'est respirant. Au niveau des détails, vous avez une fermeture éclair pour fermer la housse de couette. Donc ça aussi c'est génial, beaucoup mieux que les boutons. Des fois vous avez une dizaine de boutons à fermer. Là c'est une fermeture éclair, j'ai bien aimé le système. Avant de mettre la housse en place, je vais bien sûr la passer en machine. Et comme ça je peux vous faire aussi un retour sur ça. Ça s'est très bien passé, ma parure elle est ressortie comme neuve. Hein. J'ai pas eu de soucis au niveau du lavage. Moi je l'ai fait sécher à l'air libre, donc dehors parce qu'il faisait beau ce jour-là. Mais je l'ai pas mis au sèche-linge. D'ailleurs c'est noté sur l'étiquette de le faire sécher à l'air libre. Donc là, je suis en train d'enlever mon ancienne parure. Je vais remettre un drap. Alors moi, je ne vais pas utiliser le drap plat qu'ils m'ont donné avec pour mettre sur le matelas. Moi, je vais prendre mon drap housse extensible que je mets d'habitude. Autre point pratique que j'ai remarqué quand j'ai installé la housse, c'est que vous avez à l'intérieur des petites attaches sur les deux coins supérieurs. Donc ça va vous permettre de venir fixer votre housse de couette à l'intérieur. Et ça va faciliter la mise en place parce que je sais que moi j'aime pas du tout changer les draps. Je déteste mettre la couette dans la housse, surtout pour les grandes couettes. Moi j'ai une 220 sur 240, donc des fois c'est un peu la galère. Et là j'ai trouvé que c'était un petit détail, mais c'est quand même très pratique. Bien sûr sur le site vous avez plusieurs modèles de parures différentes. Voilà, moi j'ai pris uni gris avec les broderies, j'ai trouvé ça super joli. Ça existe aussi en plusieurs couleurs, il y a gris, il y a crème, il y a du rose, du vert je crois. Et pour le drap plat, moi je vais l'utiliser en housse de traversin. Donc j'ai mis mon traversin à l'intérieur. J'ai roulé le drap autour et ensuite avec des petits rubans en satin noir que j'avais chez moi, j'ai simplement refermé des deux côtés, j'ai fait un petit flot. Je mets tout en place et je vous montre ce que ça donne. Donc moi j'adore, je trouve ça vraiment super joli. Je trouve que c'est assez classe quand même. La marque Zezo m'a donné un code promo pour vous de moins 30% sur votre commande. Donc si vous aimez le beau linge de lit de qualité, écoutez, allez faire un tour sur le site. Vous allez certainement trouver votre bonheur. En tout cas, moi j'en suis complètement satisfaite et je peux que vous le recommander. On passe maintenant au haul action. Je vais vous montrer les petites choses que j'ai trouvées. En premier, j'ai un petit plateau à deux étages comme ça en rotin. Je l'ai trouvé trop joli, je vais le mettre dans l'entrée. Donc on va le monter ensemble, comme ça vous verrez bien en détail. Franchement, pour le petit prix 4,95, j'ai trouvé que c'était quand même d'assez bonne qualité. Au niveau du montage, ben c'est super rapide, il y a une vis à mettre. Après, vous allez visser les tiges en bois.
Il y a quatre petits patins qui sont fournis à coller en dessous. Et moi, je vais le mettre dans mon entrée et je vais m'en servir comme un vide-poche. J'ai pris aussi un lot de cintres, donc ceux-là, c'est les moins chers et c'est pour la penderie à Lara parce qu'il lui manque des cintres. Ensuite, je suis tombée sur cette brosse qui m'a intriguée, donc c'est pour les poils, pour attraper les poils. Donc moi, tout ce qui est brosse, enfin rouleau, etc. pour attraper les poils, avec trois chats à la maison, à chaque fois, j'achète quand je tombe sur quelque chose. Donc là, c'est censé être réutilisable à l'infini. Vous la passez simplement à l'eau chaude pour la nettoyer et ensuite, vous pouvez la réutiliser. Donc on va la tester ensemble. Donc vous avez une partie en rouleau comme ça collant et vous avez une petite raclette aussi en silicone. Donc là le chat avait passé sa matinée sur le fauteuil. Donc j'avais pas mal de poils dessus et regardez l'efficacité de ce truc. Franchement je valide à 100%. Ça m'a attrapé tous les poils du fauteuil. Alors j'ai déjà plein de choses pour les poils, des brosses en velours, des rouleaux autocollants, pardon. J'ai aussi une petite éponge comme ça de chez Temu. Mais franchement, j'en ai jamais assez. J'en mets un peu partout dans la maison parce que les chats, ben, chez nous, ils vont partout. Donc à chaque fois, un petit coup de brosse, ça fait pas de mal. Donc regardez-moi tout ce que ça m'a accroché. Et là, bien sûr, il y a Iko qui est en train de dormir sur son coussin. Donc après avoir mis tous ses poils sur le fauteuil, il va sur son coussin. Donc là, je la passe simplement sous l'eau et elle est prête pour la prochaine utilisation. Donc ça, je valide à 100%. J'ai trouvé aussi des lingettes pour le sèche-linge de la marque Fabulosa. Alors elles sentent très bon comme ça. Par contre, j'ai pas eu le temps de les tester avant de tourner cette vidéo. Donc si vous, vous les avez testées, n'hésitez pas à le dire en commentaire. J'ai pris aussi une petite éponge comme ça pour le tableau de bord de la voiture. Donc là, je l'ai testé et franchement, je ne suis pas satisfaite du tout parce que je trouve que ce truc m'a laissé des traces sur mon tableau de bord. Donc je me suis dit, je vais laisser sécher, les traces vont disparaître. Pas du tout. Les traces sont toujours là. D'ailleurs, il faut que j'aille essayer de nettoyer ça. Donc franchement, ça, je vous conseille pas du tout. J'ai pris aussi des lingettes de cette marque-là. Donc elles étaient moins chères que les Fabulosa. Et ce sont des lingettes humides à mettre au sèche-linge qui sont censées enlever l'électricité statique aussi. J'ai pas eu le temps de les tester donc je pourrais pas vous dire. Par contre, le prochain article, je l'ai testé et je vous ai filmé ça. C'est un petit appareil comme ça, un petit stylo qui chauffe et qui va vous permettre de coller des strass un peu partout sur les sacs, les chaussures, les vêtements, sur de la déco. Donc j'ai trouvé ça sympa et je vais vous montrer ce que ça donne tout de suite. Donc à l'intérieur, vous avez le stylet, vous avez deux boîtes de strass. Vous avez aussi plusieurs embouts. Donc voilà comment ça se présente. Vous avez un petit support aussi pour le poser. Alors, il vous conseille d'utiliser une pince à épiler pour attraper les strass. Ce sera plus pratique que les doigts. Donc ça, c'est pas fourni avec. Et vous avez une petite boîte avec plusieurs embouts différents suivant la dimension des strass que vous utilisez. Alors avant de visser l'embout sur le stylo, donc on vous dit dans le mode emploi de regarder quel est l'embout le mieux adapté. Donc là je suis en train de chercher l'embout le mieux adapté. Je viens visser l'embout, donc bien sûr, avant d'allumer le stylo. Ensuite, je branche et il chauffe en 2 minutes. Pour le test, j'ai pris un vieux sac. Donc, j'ai placé les strass avec la pince à épiler. Donc effectivement, oui, il vaut mieux une pince à épiler que les doigts, c'est beaucoup plus précis. Et là, je viens simplement appuyer sur le strass avec le stylo, donc la colle est déjà sur le strass. Ça va chauffer et ça va venir coller le strass, donc on va voir tout à l'heure si ça tient bien.
Alors franchement, ça tient très très bien. Par contre, vous allez voir, moi, autour des strass, ben, le stylo m'a brûlé le sac. Mais bon, je pense que c'est de ma faute. J'ai pris un embout qui était beaucoup trop, enfin qui était un peu trop grand. Du coup, ça a touché le tissu. Donc faites attention quand vous l'utilisez de prendre vraiment le bon embout qui va pas toucher la chose que vous allez décorer. Ensuite, j'ai trouvé un bloc-notes, mais un bloc-notes avec des pages qui sont réutilisables. Donc c'est à utiliser avec des feutres effaçables. Donc j'ai trouvé ça trop génial. C'est un bloc-notes, on va dire, à l'infini. J'ai pris aussi bon, bah, du dentifrice parce que c'est moins cher chez Action. Ça, c'est les petites tuiles en chocolat qui sont hyper bonnes avec les petites pépites là, de caramel au beurre salé. C'est excellent. J'en prends à chaque fois. Il y avait les petits boxeurs comme ça, seconde peau en promotion. Donc j'en ai pris deux, un noir et un blanc. Des petites brossettes pour la brosse à dents électrique. Et une robe comme ça à 4,99. Franchement, pas cher du tout. Et elle est plutôt pas mal. Je vous insère là l'essayage. Je l'ai trouvé super sympa. Pour une fois, je suis allée fouiller du côté des vêtements chez Action. Et en fouillant vraiment bien, j'ai trouvé des petites pépites. Là, j'ai trouvé une petite jupe léopard. Donc, elle existait aussi en noir uni. Il y avait aussi noir avec des petites fleurs. Moi, je l'ai pris en léopard parce que le léopard, ben, ça revient de nouveau à la mode, comme régulièrement. Et en dessous, en plus, vous avez un petit short. Donc, ça, j'ai trouvé super sympa. Donc, c'est en espèce de tissu crêpe. Ça se froisse pas. Et au niveau de la longueur, elle est juste parfaite. J'avais peur que ce soit un peu trop court, mais pas du tout. J'ai trouvé aussi un petit débardeur comme ça avec des petits volants aux manches. Donc, je vais vous montrer porter ce que ça donne. Le petit débardeur, il est hyper agréable à porter et la petite jupe aussi. D'ailleurs, j'ai tout passé en machine entre-temps et c'était parfait. Donc à l'avenir, je regarderai plus souvent au niveau des vêtements chez Action. Je ne pensais pas que c'était de bonne qualité. Ensuite, j'ai pris trois paquets de sachets comme ça sous vide. Donc c'est la première fois que j'utilise ça, donc je vais voir ce que ça donne. Et là c'était 99 centimes le sachet, pas cher du tout. Et ils sont parfumés à la vanille, mais franchement au niveau de l'odeur, j'ai pas trouvé ça terrible. Je trouve que ça sent pratiquement rien. Mais bon, c'est pas ça le plus important. Le plus important c'était de ranger mes plaids d'hiver que j'ai dans mon pouf. Donc là je vais mettre tout ça à l'intérieur. Donc ensuite, on ferme bien. Il suffit d'enlever l'air avec un aspirateur. Voilà, et ça marche super bien. Donc je suis très contente pour le prix. Je vais pouvoir gagner de la place et ranger mes plaids, les coussins. Donc là, je vais faire le reste encore. Ça, c'est une housse de couette aussi d'hiver. Et voilà pour cette petite vidéo haul Action. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!